grande finale de Ganon. Qu'est-ce que vous espérez de mieux? Qu'est-ce que vous espériez de mieux pour cette finale? Ça va taper à coup de Doria, les amis. Ça va taper à coup de Doria. Silver qui prend le Ganon à tête bleue, là où l'autre a une veste rouge. Tout est bleu, tout est rouge. Là, chacun dans la couleur de son équipe. Et on est parti pour cette grande finale, les amis. Ganon contre Ganon à gauche. Mufi qui va aider son Ganon. Mufi qui est bien dans le jeu du jeu. J'aide mon équipier. Et Silver qui va se tromper sur la peau. Qui ne sait pas que, malheureusement, Ganondorf n'a pas de recovery. Mais il a une grosse épée. Mufi, encore une fois, à chaque game, il va se prendre son gros coup d'épée. Apparemment, il aime ça. Les gros coups d'épée. Pugé qui va se faire game derrière. Et Bob qui va pouvoir revenir. On va aimer un. Je vois que Pulga et Silver, ils ont les mêmes intérêts dans les persos, peut-être. Peut-être. Pulga qui va marcher sur le terrain d'ailleurs pour l'instant. Vivant le prochain pod, pas d'ici un ou deux mois. Comme toujours, hein. On a déjà fait 7, donc ça peut continuer, on en refera de temps en temps. Un pod par mois, un pot par mois, c'est trop. Ça demande de l'organisation. On fait beaucoup d'événements cette chaîne déjà. On essaie aussi de. On friplait de moins en moins, je trouve, et c'est dommage. Apparemment, on fait beaucoup plus d'événements et on fait moins de friplay. Heureusement, on a le jeudi qui est la soirée où on fait des jeux ensemble. Et je trouve que c'est important de la garder. Du coup, demain, je pense, si je me lève pas trop tard, dans l'après-midi, en fin d'après, on jouera à Minecraft. On ira voir un petit peu comment se trouve le serveur actuellement. Et on enchaînera sur un tournoi de Mario Kart 8 juste après. Suivi de potentiellement du scribble du risque, on verra comme à chaque fois. Comme à chaque fois, vous connaissez, hein, vous connaissez la famille. Alors c'est pas bizarre, arrive dans la game. Pas pour longtemps. Donc voilà le planning de demain. Tout simplement les amis. Oh Mufi. Mufi qui va dodge et qui va paniquer malheureusement. Mais battez votre parc sur stage, j'en peux plus. Si. Oh là, le dragon est trouvé. Ah, on n'a pas été Baxro. Mais c'est Mbub qui va trouver se faire en edge guard et qui va prendre cette stock Mbub Silver 1-0. Du coup voilà le planning de demain. Pour ceux qui posaient la question, personne ne l'a posé, mais Mbub il veut toute la gloire. Mbub joue tout seul. Mbub joue complètement tout seul. Il n'a pas le temps. C'est le gamin qui a un ballon et qui joue tout seul. Oh mais c'est horrible ça. J'en ai tellement connu de gosses. Quand j'étais gosse, je vivais trop mal à chaque fois. T'avais tout le monde qui voulait jouer tout seul. Je voulais jouer avec les gens et je me faisais à chaque fois. Déjà que j'étais nul. Mais en plus je me faisais rejeter parce que j'étais nul. Et en plus, les mecs voulaient jouer seul et c'était insupportable. T'avais toujours ce mec qui partait avec le ballon et... Oh les pires histoires, surtout que j'aimais beaucoup le foot quand j'étais gosse. Et j'y jouais souvent. Donc ça me rendait triste. Passons sur Smashville pour la prochaine game. Est-ce qu'on aura encore du Ganondorf des deux côtés? En tout cas, c'était bien beau, hein. C'était bien plaisant. Ça a claqué, hein. Ça a claqué des deux côtés. Et bah ça restera sur les mêmes persos, pas de changement à ce niveau. J'allais vers les mêmes, j'avais une team de rejetés. Ah ouais? Trop bien. 3 et 8 sur ce magie, bah pourquoi pas, bah pourquoi pas. C'est vrai que Mufi devrait changer de perso pour avoir un 4ème Eevee. Mais je pense que Mbub, vous devriez prendre Yoshi Island, c'est encore plus petit si vous voulez. Et on peut passer des bons gros moments hein, sur Yoshi Island, n'hésitez pas à la prendre. Ça sera trop fat. Allez, c'est parti. Début de game de shield. On se regarde, on n'avance pas, on perd 5 secondes de chrono. C'est tout rentre dans le mental, actuellement. La team le souffre actuellement pour se dire. Mbub qui triche à nouveau. Mbub qui n'assume plus. Il veut pas garder son Eevee, il trouve plus trop d'Eevee. Il revient quand même sur la coiffe derrière. Voilà, on a Tailis qui va être choqué. Je
vais vous faire un petit sondage sur le chat. Qui gagne? Hop, petit sondage sur le chat, vous pouvez voter sur qui va gagner la finale. Je demande une disqualification, comme à l'époque d'El Ponto, mais comme ça, comme à l'époque d'El Ponto, vous pouvez voter à qui va gagner cette grande finale. Tout le monde se... Non mais j'aurais même plus match, moi j'en ai marre. Commentez à ma place, hein, commentez à ma place le chat. Mais je le mets à chaque fois, il était Alice. Je le mets à chaque fois, maintenant il était Alice, c'est la nouvelle règle. À chaque sondage, il faut rajouter ce vote derrière. Si les gens votent troll, bah c'est juste parce qu'ils ne savent pas qui va gagner. C'est pas un vote troll, c'est un vote je ne sais pas en fait. Pour l'instant, personne ne sait qui va gagner, tout simplement. Et on a 100% de votes qui ne savent pas qui va gagner. Et ça c'est incroyable. Ça c'est... Mais arrêtez ma postelle, c'est insupportable. C'est insupportable, Moufi, tu savais qu'il était mort en plus. Oh là 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 là. On a 5 votes pour Pyro. On se souvient pareil comme avec la El Pointo. Il n'y en a plus, il n'y en a plus malheureusement. Pour la simple raison que il n'y avait plus pas assez de gens qui pariaient malheureusement. Et du coup, on a arrêté. C'était intéressant à faire. C'est pour ça que j'avais mis les pointons en place à l'époque. Bravo ça. Meilleur planning. Bah oui, je mets les votes avec les décoins. Ceux qui veulent plus voter, puis gaspiller des décoins pour voter. Et ça, c'est beau. Tu veux tout faire pour nous faire claquer nos points. Bien sûr que je vous plaît. Moi, je veux que les points claquent. Hein. Je veux que les points claquent. J'ai même pas regardé la phase finale. J'espère que vous l'avez commenté. Parce que moi, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Ah, on a un vote pour Mbappé Silver. Mbappé Silver qui prend l'avantage dans les votes. Et Thaïs, il a pas l'info. Faut qu'il vote pour Palu pour avoir l'info. Je te dis ça en 3400 points. Alors, on a un vote pour Pull Game aussi, hein. Ah, c'est très serré. On a un vote pour Mbappé Silver, un vote pour Pull Game aussi, et 7 votes pour Pierrot. Pierrot qui remporte ce sondage. Bravo à vous. Bravo le chat. Donc personne ne sait qui va gagner. Je précise pas, c'est à vous de deviner. Hein. Tu sais que je le mets depuis hier hein, déjà. Je le mets régulièrement. C'est quoi le truc Team Palu, Team Poser? Alors que Teoken débarque! Ah, il y a des problèmes de couleur. Mais les mecs sont trompés de team. C'est la grande finale! Du gay, il tape Mouffi, il s'en fout. C'est génial. Pierrot, s'il veut gagner le match, il shutdown l'arène, il se fait perdre par des culs. C'est vrai ça? C'est vrai ce que tu dis, Mick. 3 IQ, non mais complètement là. Complètement, c'est dégueulasse. Mais Mbappé, il prend le temps de changer de Pokémon pour aller sur Dracaufeu pour ce SD. Mais c'est insupportable. C'est insupportable. Au moins, ils auront gagné une fois. Luigi. C'est plus vite le Celebi. Par contre, Teyoken. 3 x 4. Ça fait 12. T'es où il troll, il dit oh 3 IQ x 4, 16 IQ. Encore tu m'aurais dit 1 plus 1 ça fait 10. Je t'aurais écouté. Je t'aurais écouté. Mais là non. On peut jouer? On peut jouer apparemment. C'est une équation, peut-être que c'est une équation. Peut-être que c'est une équation. Bah, surtout que I ça pourrait être une complexe. Si c'est la complexe i carré égale moins 1, on peut trouver des choses. On a un break shield là, non? Très bon Blitzfire d'ailleurs, hein, pour enlever ce break shield. Il y a Keke. Keke n'est pas là. Keke était là samedi d'ailleurs. Souvenez-vous. D'ailleurs, au point, c'est rigolo parce que moi j'ai Keke, mais je sais pas si mes ennemis l'ont du coup. Parce que eux, ils sont pas à l'heure de Keke. Il est content, Italix, il est content. Non mais arrêtez de faire des maths, vous savez pas calculer, vous êtes tous nuls. Le chat devient mathématique. Mais vous savez que vous êtes juste nuls en mathématiques.
C'est une catastrophe, hein. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça, c'est dégueulasse. C'est juste dégueulasse. Arrêtez. Tu veux un verre quand tu veux, Idalis. On se fait un concours de calcul mental, si tu veux. Y a pas de problème. Et j'exerce plus, alors... Peut-être que... En même temps, je... Je branlais rien, donc c'est possible. Hein. Tu peux, mais c'est pareil, depuis que je suis à l'école, j'ai arrêté un peu, ouais. Le bac de Pio, il est très loin, le bac. Moi, je suis à l'époque du bac qui a été leak sur JVC. Hein. Je sais pas si vous avez connu cette période. Hein. Moi, c'est mon époque. Hein. C'était ma deuxième fois que je passais le bac. Hein. T'es combien, t'es du coup, t'es 20 au bac? Il se passe quoi, là? Je sais pas. Bah GG. Bah 3-0. Si je veux, il a pas le temps.